Thionville. C'est ici que commence ma mission. Ça, c'est bien. Vous allez aimer mon histoire. Bébé. S'il te plaît, j'arrive. Hey. Mais voici maintenant. Désires-tu quelque chose? S'il te plaît, j'ai besoin de l'eau. Ok, tu veux boire de l'eau? Je vais le prendre pour toi. Je l'ai. Doucement, non? Tu vas te mouiller. Doucement. Tu as assez bu. Oui, oui, ça va maintenant. Tu es sûr que ça va maintenant? Oui, merci beaucoup. C'est bon. Je veux aller au marché maintenant. Acheter quelques vivres. Nous n'avons plus rien dans cette maison. Ok. Si tu pouvais appeler Miracle pour nous avoir de l'argent. Oui, je devais l'appeler, mais tu connais sa condition actuelle. Sa grossesse est tellement... Je ne veux pas encore la stresser. Nous l'avons assez stressée. Elle risque beaucoup avec sa grossesse. Je ne veux pas risquer nos petits-fils. Tu as raison, ma chère. Tu as raison. Ok. Je vais vite partir maintenant pour que je puisse retourner vite avant que le docteur nous vienne. C'est bon. Veux-tu que je t'approche près de la télé? La télévision? Je suis bien ici. Je veux juste que tu m'amènes le téléphone auprès de moi. Ok, laisse-moi le prendre. Prends ton téléphone. Je pars, Oui. Je reviens bientôt. Ok. Ok. D'accord. Je promets de ne pas prendre beaucoup de temps. Je te frapperai si tu fais ça.
Merci beaucoup. Vous en prie, madame. Je suis vraiment honorée. Hé, hey, tu as diminué le stress pour moi. Merci, hein. Je vous en prie, madame. Merci. Et prenez ceci. Ah, merci beaucoup, madame. Je te gratifie pour tes bonnes actions. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Je voulais juste t'encourager à faire le bien. Hmm? Tu seras toujours bénie. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Vous avez embelli ma journée. Ce n'est rien. Ok, c'est bon. Rentre dans ta boutique, tu risques de perdre quelques clients. Hein? Merci, madame. Laisse-moi rejoindre mon mari malade. D'accord, madame. Il est seul à la maison. Merci, madame. D'accord, madame. Ok, bye bye. Allons-y. Sors les affaires du coffre, hein? Très bien, madame. Ça va, ma fille. Je vais bien. Je vais bien. Ah, ma fille. Très bien. S'il te plaît, ta mère est rentrée. Je vais lui donner le téléphone. Ah, ah. Miracle. Hey, ma fille, comment vas-tu? Maman, comment vas-tu? Ce qui va pas? Je vais bien, oh. Alors dis-moi, comment se porte mon petit-fils? Et comment vont toutes choses? Oh. Ça va bien, ma fille. C'est juste que hein, je ne vais pas te stresser encore. Hein? Je sais que tu as de la charge. Et bientôt, tu vas te décharger. On ne peut pas te distraire encore. Je veux juste que tu prennes une pause. Hein? Après tout cela, tu peux encore reprendre ton travail. Et si tu le veux bien, tu peux même venir habiter avec nous. Pour être sûr que tu vas bien. Je ne veux pas encore te stresser. Hein? C'est d'accord, ma fille. On parlera de ça prochainement. Je viens de revenir à peine du marché. Je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît. Ok, bye. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est? J'avais juste envie de causer avec elle, en temps de savoir. Et ensuite quoi? Je voulais juste causer avec elle. Je n'ai pas de temps pour tout ça. Hein? Laisse-moi juste aller me reposer. On va se voir après.
qu'est-ce que tu fais? Il est en train d'appeler papa, papa. Papa. Bébé. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je m'inquiète parce que maman est tellement têtue. Oh. Elle ne fait que ce qui lui vient en tête. Hein? Toi et moi savons que c'est très dangereux si papa se retrouve dans un problème. Quand il va se mettre à forcer son corps, tu sais, s'il le fait, il risquera de mourir. Et je n'aimerais pas que cela puisse arriver. Voyons, bébé. Tu t'inquiètes beaucoup. Hein? Regarde l'état dans lequel tu es. Tu ne dois pas beaucoup t'inquiéter. S'il te plaît. Ok, oui, je sais. Je sais que tu as raison. Mais il faut que tu saches que ta mère n'est pas un bébé. Elle est adulte. Et elle sait quoi faire. Je le sais. Et je te comprends parfaitement. Quoi? C'est clair que tu es de son côté. Non. Bébé, voyons. N'y prends pas ça à cœur. Vous avez déjà parlé sur ça, n'est-ce pas? Vraiment? C'est déjà arrivé. C'est de ma faute. J'ai commis une erreur de te l'avoir dit. Bébé, arrête, non? Pourquoi tu es allé si loin? Je suis sûr qu'à propos de ce que je suis en train de penser, c'est vrai. Je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Je vais... C'est bien. Bonne journée. Merci. Laisse-moi aller là-bas me rafraîchir et puis dormir. Merci beaucoup. Bébé, je suis désolé. Okay. Je suis désolé, ok? Je ne pensais pas. Désolé. Ce que je dis, c'est la vérité. Bon, si tu ne veux pas me croire, tant pis. Prends bien soin de mon enfant avec ta colère là. Et il mérite mieux. Maman, tu es tellement méchante. Comment as-tu pu abandonner papa tout seul à la maison et puis aller au marché? Alors s'il avait une dépression et voulait parler à quelqu'un, qu'allais-tu lui arriver? Rien n'allait arriver à ton père. Hein?
Pourquoi tu t'inquiètes ainsi? Rien n'allait lui arriver. Hein? D'ailleurs, les choses que j'étais allée chercher au marché, ni ton mari et toi n'allaient me les procurer. Comment pourrais-je envoyer ton mari ou toi à m'acheter le zignam et autre chose traditionnelle? D'ailleurs, je n'avais pas traîné au marché. Je suis partie et revenue de sitôt. Hein? Écoute, mon enfant, ta mère, elle est toujours là pour moi. Elle n'avait pas pris beaucoup de temps au marché. Tu parles comme si je tuais quelqu'un. Elle est toujours là, en train de prendre soin de moi. Hein? Elle prend bien soin de moi. Regarde ta condition. Je vois. Même si on t'envoyait 1 million de Naira, ça allait résoudre quelque chose. Tu vas monter et descendre. Bébé, arrête. Mais papa, je suis inquiète pour ta santé. Ne t'inquiète pas. Bientôt, ça va finir. Désolé papa. Lève-toi et apporte de l'eau à ton père. Papa, as-tu besoin d'eau? Je vais bien. Ah, maman, le fait que tu prennes soin du papa, nous apprécions beaucoup. Mais si vous regardez ce que ma femme est en train de dire, elle dit la vérité. Hein? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et je suis arrivé à conclure que vous devez prendre une servante. Oui, vous devez vraiment le faire. Parce que si nous regardons dans la maison, il n'y a que vous deux. Et vous tous, vous êtes là. Vous devez avoir quelqu'un pour prendre soin du papa. C'est un peu ça mon idée. Ce n'est pas du tout ce que j'ai planifié pour ma famille. Je ne veux pas de ça. Maman, tu entends? Une aide pour cette maison. Nous allons en trouver une pour toi. Tu dois te trouver une domestique. Tu te dois de le faire, oh. Nous allons te trouver une domestique. C'est mon point final. Désolé, papa. Tu vois, c'est de ça dont on parlait. Il a besoin d'eau. Ça marche. Hey. Comment je vais gérer cette situation? Hein? Je n'ai jamais désiré les femmes de ménage de cette maison. Qui a pu lui mettre ça dans la tête? Qui? Est-ce que tu vas bien? Oui, chérie, je vais bien. Tu t'es déjà réveillée? Oui. Tu as l'air soucieuse. C'est quoi le problème? J'ai dit que je vais bien. Il n'y a rien. Bon, laisse-moi t'aider. Merci.
Stéphane. Regarde bien partout. Hein? Tu es supposé nettoyer toute cette place, non? Pourquoi tu nettoyais derrière et tu as laissé devant? C'est encore quoi ça? Hein? J'étais d'abord en train de ranger de l'autre côté là-bas. Commence par le faire et arrête de parler. Fais-le immédiatement. Ne sais-tu pas que la propriété appelle les anges? Nettoie partout. Les oranges fraîches. Celles qui vont là-bas. Appelle-la. Achetez les oranges fraîches. Les oranges fraîches passent. Ma mère a besoin d'oranges. Ok. Regardez-moi ça. Comment peut-il faire tout ça? Il s'est juste arrêté là et a laissé cet endroit. Bonjour madame. Bébé. Papa. Bonjour, papa. 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 Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Oui, merci. Miracle. Papa. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Merci, papa. Papa, qu'en est-il de ta santé? Comment vas-tu? En tout cas, tout va bien. Ça va. Je me sens comme un jeune petit garçon. Oh, c'est bon, papa. Je peux voir que tu vas bien. Oui, je vais bien. Oh, comment va mon petit fils? Il va bien, papa. Et qu'en est-il de ma maman? Oh, elle est dans sa chambre. Okay. Maman! Maman! Salut! Ta précieuse fille est là! Comment allez-vous? Oh, mon peuple est là! Oui, maman! Regardez mon beau-fils! Maman! Hein? Qui l'a vu? Mon merveilleux beau-fils! Oui, maman! Mon gracieux! Merci beaucoup! Maman. Oh, merci! Maman. Merci! Et ma fille! Ma chérie! Maman! Toujours en forme! Regarde comment tu es ravissante! Hein? Je l'ai la tête aux pieds. Tout de toi est étincelant. Étincelant. Merci, maman. Tu es aussi brillant. Merci. Soyez le bienvenu. Oh. Merci. Hey. Soyez encore le bienvenu. Merci, maman. Chérie, tu as maintenant vu tes enfants. Oui, je suis content. Tu es la bienvenue, ma fille. Merci, papa. Maman, devine. Devine quoi? Encore quoi? À quoi est-ce que je peux penser? Oh. Notre nouvelle assistante. Oui, maman. Hey. Elle répond au nom de Don. Quel nom adorable. Lève-toi, bien salué ma mère. Et vous? Bon après-midi, madame. Wow. Tu dois vraiment me pardonner. J'avais oublié de t'appeler pour te dire que j'ai déjà trouvé une fille de ménage. Vraiment? Wow. Rita? Rita! Oui, maman. Ma chérie, s'il te plaît, viens. Je te présente ma fille Miracle. Bonjour, Tantine. Bonjour, monsieur. Waouh! Maman, tu as trouvé la meilleure. Tu peux le redire encore? Sérieusement, je m'incline devant toi. Tu connais ta mère, n'est-ce pas? Et tu sais de quoi je suis capable. Comment vas-tu? Oui, très bien. Je vois. Rita, va et trouve-nous de quoi manger, hein? Hey! Hey, maman. Dis-moi, où l'as-tu trouvé? Laisse cette histoire. Je veux juste te dire quelque chose. Si je commence avec cette histoire maintenant, nous n'allons pas la terminer jusqu'à la fin de la journée. Hein? Tranquillise-toi. Tu as compris. Maintenant, comment allez-vous? Maman, ces bébés ne me laissent pas tranquille. Ces bébés ne me laissent pas... Ah, rectification.
il ne nous laisse pas dormir. Ouais. Maman, si tu vois ce que ce bébé me fait, je n'arrive pas à dormir. Oh oh. C'est exactement ce que tu faisais lorsque tu étais dans mon ventre. Tu ne me laissais jamais en paix. Voilà pourquoi. Il ne fait que monter et descendre. Tu entends? Maman. Je ne peux plus attendre qu'il sorte et qu'il joue au football avec moi. Aïe, 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 aïe. Ce garçon, c'est un soldat. Voilà, il fait des coups de poing. Nous remercions Dieu pour ma chérie, sois la bienvenue. Je vous en prie. Rita, dépêche-toi. Laisse-moi t'apporter premièrement de l'eau. Merci, maman. Mais maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Ma chérie, lève-toi, rejoins-la et apporte-moi de l'eau. Oh, bébé, écoute-moi. Maintenant, je pense, qu'est-ce que tu feras avec la fille? Donc? Oui, Gift. Elle peut juste rester là et on verra quoi faire. Disons, combien de mois? Je peux dire 3 mois après mon accouchement. Je ne pense pas que ce soit avant 1 mois. As-tu un problème avec ça? Pas vraiment. J'ai juste demandé. S'il te plaît, bébé, j'ai besoin de dormir. Je ne suis pas dans mes états cette nuit, s'il te plaît. Aide-moi avec l'oreiller, je vais mettre ma tête. Oh, Seigneur. Désolé. Ah, 4 mois. Bonne nuit. Bonne nuit. Je veux dormir. Toi, Dors. Dors maintenant, non? Toi, qu'est-ce que tu cherches? Ta grossesse. Merci, mon amour. Ok. Docteur, c'est à combien? C'est normal maintenant. C'est maintenant normal. Ça va maintenant? Oui. Ce n'est pas trop élevé. Madame, j'ai besoin d'une serviette. Rita? Rita! Oui, maman? Trouve-moi une serviette dans ma chambre. D'accord, madame. Et fais vite avec ça. Oui, madame. Ah, désolé. Désolé. Les voici, maman. Aïe. Va et continue avec ce que tu faisais. Désolé. Désolé, monsieur. Tu iras bientôt, tu seras guéri. Docteur. Je pense. Je finis pour aujourd'hui. Okay. Vous connaissez la règle. Hein? D'accord. Toujours lui donner de l'eau pour atténuer la douleur. Je le ferai. Au fur et à mesure, il va se sentir mieux. Ah ah, que fais-tu en restant là? Va vaquer à tes occupations. Ok, maman. C'est bien, mais docteur, je crois qu'il y a une évolution. Bien sûr, tu ne vois pas. Il est en train de s'améliorer, voilà. Remercie que Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu.
Je dois m'en partir. C'est gentil. Vous connaissez déjà les problèmes. Merci. Il faut juste prendre soin de lui. Je le ferai. Je le ferai. Ça ira mieux. En tout cas, au revoir. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci. Comment te sens-tu? Attends, je vais te suivre. Arrive, hein? Laisse-moi te nourrir comme un bébé. Rita! Rita! La nourriture n'est pas encore prête? C'est prêt, maman. Mais apporte-les, non? J'arrive, maman. Tu vas bientôt manger, ok? Dépêche-toi, oh, papa a tellement faim. Oui, maman, j'arrive. Je veux te nourrir comme un bébé. Bien, mange. Mais bien sûr. Ma fille, en tout cas, hein. Ne me dis pas ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hey. Oh, ma fille. Je vais te rappeler plus tard, oh. On va causer après. Bye. Rita, désolée maman, j'ai déjà fini avec le travail. Oh, tu as fini? Oh, bonne fille. Tu peux maintenant te reposer, oh. Tu en as le droit. Eya. Non, va te reposer. Désolée maman, je voulais savoir si le docteur était venu aujourd'hui. Non. Pourquoi cette question? Non, pour rien. C'est à cause de papa. Je voulais savoir si il était venu le traiter aujourd'hui. Non, pas du tout. Il ne vient que deux fois par semaine. Alors, il reviendra, je crois, à la fin de la semaine. Ok, je m'étais sentie juste penser à moi. Non, pas de problème. Tu peux maintenant aller te reposer, hein? Ok, maman. Ok, merci. Ah,
Pourquoi voulait-elle savoir si le docteur est venu ou pas? Hein? Qu'est-ce qui vous concerne? Hé! Hey! Les enfants de nos jours! Hé! Hey! Peut-être qu'elle a posé ses yeux sur le docteur. Eh bien, le docteur Franck est aussi un homme. Peut-être que ma fille est déjà tombée amoureuse. Ah. Je ne veux pas lui redonner la chance de revenir encore dans cette maison. Je dois faire quelque chose. Oui, c'est ce que je dois faire. Oui. Alors pourquoi tu n'es pas venu hier? Vraiment. Toi avec les excuses. Pas de problème. Désolé, je t'appelle après. Désolé, en quoi je peux vous aider? Je suis Tabaron Ikeja.
Je suis la grande montagne qui ne peut être bougée. Je suis celle qu'on ne peut contenir. Je suis la vainqueur qui ne peut être rattrapée. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous exactement? Qui êtes-vous? Docteur, rappelle-toi. Pense à l'endroit où tu m'as connu. Penser? Je ne me rappelle pas où est-ce que je vous ai vu avant. Je sais que je reçois beaucoup de gens pour la consultation. Et je ne pense pas qu'on s'est déjà vu. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne vous connais pas. Tu y as raison. Te rappelles-tu? Au village, Code Okeja. Lorsque toi et ton jeune ami, Viola, et tu vois une innocente aveugle. Oui, oui. Je me rappelle. Je suis fini. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était juste une erreur. S'il vous plaît. Pardonne-moi. Tu ne peux pas échapper, docteur. Aujourd'hui, tu mourras. Je suis fini. Je suis désolé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Ah. 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 Monsieur Steve. Ah! Monsieur Steve, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je pense que tu as beaucoup travaillé hier toute la nuit, raison pour laquelle tu dors jusqu'à présent. Moi? Ai-je dormi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui dort? Je suis juste assis. Où est mon téléphone? Quoi? Madame est là. Pardon, en haut. Elle est déjà rentrée. Bonté divine, 11h du matin, ah, et je suis toujours endormie, mon Dieu, qu'est-ce que... Hey,
Ah, Rita. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Comment a été la nuit? Ça a été bonne. Juste regarde l'heure à laquelle je me suis réveillée. Hein? Et tu es à la base? Oui. Tu es en train de tout faire, même tous mes devoirs dans cette maison. Tu es derrière tout ça. Tu ne me permets de toucher quoi que ce soit. Maintenant, je dors comme une vache enceinte. Par ta faute. Peu importe, tu as fini de nettoyer? Oui, ma. Ok, continue, hein? D'accord. Mm-hmm. D'accord. À plus tard. Pauvre femme, je souhaite que tu comprennes ce qui est en train d'arriver. Tu es sous la malédiction. Ah. Allô? Oui, je suis là. Bien sûr que je les connais, c'est mon ami. Quoi? Comment? Je veux dire, qu'est-ce qui s'était passé? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, 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 s'il vous plaît. Je serai là immédiatement. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas vrai. Quoi? Celui qui m'a appelé a dit que Frank est mort. Docteur Franklin? Oh mon Dieu. Non. Est-ce le même docteur Franklin que nous connaissons? Ton meilleur ami? Le Franklin? Les Franklin que tu connais, oui! Non, cela est impossible. Dans son bureau. Il est mort là-bas. Oh mon Dieu. Écoute, je dois partir. Je dois partir. Je dois aller voir avec mes propres yeux. S'il te plaît. Bébé, tu dois faire attention. Je ne pense pas que c'est le Franck que nous connaissons. Je vais juste partir. Je reviens. Bébé, s'il te plaît. Prends bien soin de toi. Au revoir. Sois prudent. Ok. Non, 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 non. Docteur Franck? Un jeune homme et ses compétences? Non. Ce n'est pas ce de ta femme. Ha! Qu'il revient comme il est. Le dernier, finis-le. Tu commences à avaler. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman. Mais pourquoi pleures-tu? Lincoln, quel est le problème? Parlez-nous, non? Quelqu'un doit s'exprimer. Maman. Hein? Maman. Hein? Parle. Parle avec moi. Maman.
Docteur Franklin est mort. Jésus. Hey, cela est impossible. C'est un mensonge. Êtes-vous en train de plaisanter ou quoi? C'est la vérité. Le docteur est mort. Hey! Quel monde méchant! Faire de telles choses à un jeune homme innocent! C'est quoi? Maman! Et il était bon en prenant soin de mon mari. Maintenant qu'il prend encore soin de lui. Non, c'est bon. Ma chérie, arrête de pleurer, c'est ça bon. Va aller. Il est mort de quoi? Accident de voiture? Non. Je ne sais pas. Mais la police est en train de faire des recherches. Hey! Je crois qu'ils trouveront la cause de son décès. Maman, qui viendra prendre encore soin de mon papa? Ça va aller. Mais ce n'est pas juste. C'est bon, ça va aller. Papa, maman, j'ai une course à faire. Je crois que je dois partir et laisser ma femme ici. Ok. Je dois régler quelques affaires. Ok. Et premièrement, je remercie Dieu pour tout ça. Hey! C'est la volonté de Dieu. Hey! Ma chérie, ça va. Calme-toi, ça va aller. Mon fils, c'est une très bonne idée. Ce que je te dirais, c'est d'être très prudent dans tout ce que tu feras. Toutes les trajectoires que tu prendras, sois prudent. De nos jours, personne ne sait qui est qui. C'est ça. Aïe! Vous avez raison, maman. C'est pour cela que je dois trouver quelqu'un qui va prendre soin du papa. Et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui arrive papa, dans cette vie? Mon fils, c'est une bonne idée. Mais tu dois être vraiment prudent pour ça. C'est tout ce que je te donne comme conseil. Ça va aller. Bébé, c'est fini. Ça va passer. D'accord. S'il te plaît, arrête. C'est pas bien pour toi de pleurer. Écoute. Hey! Arrête de pleurer, d'accord? Les choses vont s'arranger. Il ne va jamais retourner ici. C'est bon. Regarde ta condition. Le bébé ne peut pas supporter cela. C'est bon. Je sais que tu as mal. C'est bon. Je sais, maman va prendre soin de toi, ok? Aïe, mon Dieu. Ça va aller. Le meilleur pour cet après-midi. Elle va prendre soin de toi, d'accord? S'il te plaît, ta condition n'est pas bonne. Arrête, laisse-moi partir. Je reviens bientôt, d'accord? Ok? Ça va bien se passer. Maman, s'il te plaît, aide-la à ne pas pleurer. Ça va, mon fils, j'arrive. Qui va maintenant prendre soin de mon papa. Je trouverai un chemin. C'est bon. C'était le meilleur ami de Michael.
Ne me tue pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie, au nom de Dieu. Ne me tue pas. Je suis ici pour prendre ton âme. Mon âme, qu'est-ce que je fais? Tu dois mourir. Non, je ne veux pas mourir maintenant. Ne me tuez pas. Non. Laissez-moi. Tu dois payer. Non. S'il vous plaît. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi là. Madame, c'est la sorcière. Madame la sorcière. Tu peux laisser courir de mes mains? Steven. Madame, cette femme est en train de tuer au gars. Oh. Elle est en train de tuer au gars. Qui est-elle? Je suis la puissante Abara Kidja. Je suis la grande montagne qu'on ne peut bouger. Oh mon Dieu. Je suis celle qui ne peut être contenue. Il doit mourir. Il doit aller rencontrer son ami dans le pays de mort. Lincoln, de quoi parle-t-elle? Mais qui est-elle? Qu'est-ce que tu as fait? Ouvre ta bouche et parle, non? Explique pourquoi Abara est ici. Calme-toi, s'il te plaît. Peu importe ce que c'est, on peut le rester calme. S'il te plaît, épargne sa vie. S'il te plaît. 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 S'il vous plaît. Tu iras rencontrer ton ami décédé aujourd'hui. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pardonnez-moi. Hey. S'il vous plaît. Pardonnez-nous. Oui. Je sais. C'est qu'on avait fait. On avait fait quelque chose de mauvais. C'était pas bien. Qu'est-ce que tu as fait? Parle. Explique-nous. Pourquoi Abara est ici? Le salaire du péché. C'est la mort. Hey! Pardon. Hey! Êtes-vous surprise? Je suis venue pour tous d'entre eux. Pour me venger. Pardon. Hey! Pardon. Rita. Rita, s'il te plaît. Est-ce toi? S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Je sais que tu es une très bonne enfant. Mon enfant, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que tu es une très bonne enfant. La première fois que je t'avais rencontré au marché, je t'avais prise comme ma propre enfant. S'il te plaît. S'il te plaît. Épargne mon beau-fils. Épargne ta vie. S'il te plaît, épargne mon mari, s'il te plaît. Baron Kitcha ne pardonne jamais. Quand elle s'est mise dans une mission. Je suis Abara Kidja. Je tire les oppresseurs et le méchant. Et pour ton beau-fils, il doit mourir de la même manière que son ami. Dis-leur ce que tu as fait à ma fille. Oui. Elles doivent connaître la cause de ta mort. Oui. Quoi tu fais? Parle. Est-ce qu'elle te demande de confesser? Confesse. Qu'est-ce que c'était? Je vais confesser. On l'avait tué. On l'avait violé et tué dans la forêt. Dans le passé, vous avez tué qui? Qui? C'était une innocente aveugle du royaume de Sakidja. Tu vois comment? Je t'avais dit d'acheter ça. Je n'aime pas ce genre de comportement. Regarde ce que je mange maintenant. J'ai vraiment. Je t'avais dit que je n'avais pas beaucoup d'argent. Ah, si tu savais ça, il fallait me dire. Comme ça, on aurait. Mais je t'avais dit non. Peut-être parce que tu ne faisais pas l'attention. Ah, honnêtement, j'ai tellement faim. Moi, je cherchais ton problème. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai vraiment faim. Arrête ça. Tu ne peux pas arrêter. C'est un peu ça. Ago, alors si. Tu la vois?
Va. Arrête de me demander. Va causer avec elle. Bonjour, la jolie fille. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vis dans ce village? Oui. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Nduka. Waouh, un joli prénom. Est-ce que tu as déjà vu une sorte de beauté comme la beauté de cette fille? Hein? Merci. Es-tu aveugle? Oui, comme tu peux le voir. Désolé. Idoka, tu sais quoi? On est à deux. On veut tout juste arriver. Okay. Nous venons des États-Unis. Alors, on a fait un tour de ce côté-ci. Wow, comment tu es belle. Oui, nous venons juste d'arriver. Nous voulons se réjouir un peu d'ici. Quoi? Voilà. Pas de problème. Si elle voyait, elle allait nous amener là où nous voulons. Vous avez raison. Ce n'est pas un problème. Je suis désolé. Duka, tu es tellement belle. Ok. Où est-ce qu'elle est en train de partir? Je me promène pour prendre un peu d'air. Oh, si tu veux, on peut aller te laisser à cette place. Si tu veux, on peut t'amener, si tu veux. Peut-être prochainement. Ok. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok, merci. Tu dois juste prendre soin de toi. Nous, on est juste là. Merci. Erré de faire ta connaissance. Mon cher, cette femme est tellement jolie. Quoi? Regarde, cette femme aveugle, elle est tellement mystérieuse. Comment est-ce qu'une femme belle peut être aveugle? Hein? Parfois, je me demande, une telle fille aveugle dans ces villages, ces petits coins ici. Oh Seigneur, c'est de cette façon que tu avais encore rencontré Gloria. Et après le temps, la femme aveugle va t'affecter et tu seras aveugle aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tu toi? Commences. Comment est-ce que tu peux avoir les histoires sans raison? C'est un compliment. Et quoi? As-tu oublié les pourquoi on est ici? Nous sommes venus voir l'environnement pour la communauté. Hein? Écoute-moi. Je ne veux pas en subir des conséquences avec toi après tes actes. Hein? Il n'y aura aucune pitié. Arrête, ne parle pas. Je ne veux pas de troubles. Laisse-moi tranquille. Attends, je te dis un truc. Regarde ça. Vous avez donné ça le même jour. Regarde ta chemise. La différence est par rapport aux couleurs. Le même modèle. Regarde ça. Même modèle. On a une mission ici. Si tu manques cette opportunité à cause d'une femme, en tout cas, je serai tellement déçu de toi. Et quand le temps viendra pour que tu pleures, Franck, ne viens pas chez moi. Est-ce que tu m'écoutes? Je vais t'appeler. Ok, je vais venir chez toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi elle est avec... Il y a tellement de possibilités. Peut-être que c'est une sorcière. Peut-être qu'elle a eu des problèmes dans sa famille. Peut-être qu'elle est utilisée par sa famille. Et elle te dit qu'elle a eu un accident. Tu penses qu'on a mis un fil, un couteau dans ses yeux? Tu penses vraiment? Et elle est aveugle. Tu es là, tu as parlé d'un truc très important. Tu peux peut-être avoir raison, mais je ne suis pas sûr. On pourrait peut-être c'est ça qui te tue, la tétutesse. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi. C'est à cause de toi qu'on n'a pas pu manger aujourd'hui. C'est à cause de ça. Écoute, je ne suis même pas avec toi. Écoute, je ne veux pas que tu me dises ça. Mais je suis amoureux d'elle. Les villageois vont être... C'est bon. J'ai une idée. Hein? Regarde, c'est l'immeuble de quelqu'un.
Tu sais que personne ne passe par ici. C'est le moment de faire quelque chose de mauvais et le roi va t'écraser. Hein? Hmm? Si ton âge sera notre souvenir, tu auras du mal à trouver de l'argent facilement. Cet immeuble doit te rappeler quelque chose par ta conscience. Et tu sais ce que je vais faire? M'asseoir devant là-bas et se moquer de toi. Arrête, ce n'est pas possible. Hey. Ça ne sera pas possible. C'est juste une femme innocente aveugle. Toi, avec ta tétitesse, tu seras toi-même. Salut. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. J'ose croire que vous êtes à deux. Ah oui, oui, c'est nous. Nous sommes rentrés. Où vas-tu? Je vais au marché. Tu sais qu'ici il y aura fermeture du marché. Et je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de toutes ces activités. Oh, oh. C'est merveilleux. Alors pourquoi tu ne viendras pas dans notre maison? Comme ça, je pourrais te donner un truc. J'enverrai mon grand frère. Il le prendra pour moi. Regarde, tu vois cette fille, elle est dangereuse. Pardon, allons-y. Et c'est ton frère? Oui, oui, oui. Ne t'en fais pas. Alors, qu'on parte? Ok, je dois y aller. Hey! Mon beau-fils m'a tué. Désolé. Qu'as-tu fait? Désolé. Hein? Désolé. Mon fils, qu'as-tu désolé. Fait? Hey! Hey! Désolé. Désolé. Rita, mon enfant. Pardonne-lui. Pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonne-lui. S'il te plaît. Quel monde méchant. Quel monde méchant. Quel méchant monde. S'il vous plaît, sauvez ma vie. Épargnez ma vie. Épargnez ma vie. Épargnez ma vie. Où est mon beau-fils? Mon beau-fils. Hey! Ma fille! Ma fille! Ma fille! Réveille-toi! Réveille-toi! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.